maximiser votre pension retraite, l'importance cruciale de choisir la bonne date de départ. Il est possible d'améliorer votre future pension de retraite en choisissant préalablement la date de départ à la retraite. Une étape cruciale qui nécessite beaucoup de vigilance de votre part. À cet effet, d'autres paramètres passent au crible. Mise au point. Bien choisir la date de départ à la retraite en vue de maximiser votre pension. La dernière réforme des retraites est devenue source d'angoisse pour les futurs retraités français. La plupart d'entre eux sont inquiets pour leur pension. C'est notamment le cas des employés et des ouvriers, selon une récente étude. Elle révèle d'ailleurs que la majorité de ces personnes angoissées sont des femmes. Idem pour celles ne disposant pas encore de patrimoine financier. Lors de votre départ à la retraite, vous pouvez perdre de l'argent à cause d'une erreur de débutant. Ce sera le cas si vous choisissez aléatoirement la date fatidique. Soyez intelligent le moment venu. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. En principe, votre pension de retraite est calculée sur les 25 meilleures années de rémunération, issues de votre carrière professionnelle. Normalement, votre salaire devrait atteindre son apogée à la fin de votre carrière. Le cas échéant, continuez votre travail du moins jusqu'au terme de la dernière année d'exercice. En ce sens, la meilleure stratégie consiste à prendre votre retraite au 1er janvier de l'année suivante. Si vous envisagez de prendre votre retraite cette année, attendez le 1er janvier 2025 pour partir. Grâce à cette tactique, l'année 2024 sera comptabilisée dans le calcul de votre future pension. Vous maximisez ainsi votre rentrée d'argent lors de vos vieux jours. Pour gagner encore plus, faites des heures supplémentaires à l'approche du jour de départ à la retraite. D'autres points importants à prendre en compte. Cette astuce s'avère être efficace peu importe votre ancienneté dans votre entreprise actuelle. Évitez de partir à la retraite au beau milieu d'une année civile. Ça ne vous rapportera rien financièrement. Afin de profiter au maximum de votre pension de retraite, attendez le nouvel an. Par ailleurs, certains paramètres passent au crible pour éviter les mauvaises surprises. En tête de liste figure notamment le nombre de trimestres acquis. En négligeant ce détail important, votre future pension de retraite risque d'être incomplète. Et, le fait de travailler plus longtemps ne changera pas grand-chose. D'où la nécessité de consulter préalablement votre relevé de carrière sur le site de l'assurance retraite. Parfois, ce dernier comporte des anomalies résultant d'une négligence de votre part ou d'une omission de la caisse de retraite. Dans tous les cas, vous pouvez les corriger directement sur la plateforme dédiée. Une option tout à fait envisageable à partir de votre 55e anniversaire. Vous pouvez d'ailleurs modifier certains points par courrier. Lors de votre visite, portez toute votre attention aux années comptabilisées avec moins de 4 trimestres. Débordée, la caisse de retraite peut parfois oublier certaines périodes. Or, elles peuvent permettre d'acquérir des trimestres supplémentaires. Il s'agit en l'occurrence de périodes de formation professionnelle continue, de travail à l'étranger, etc. Une solution alternative existe, le rachat de trimestres. Cette option permet de compenser les périodes non cotisées en effectuant des versements volontaires. À terme, vous bénéficierez ainsi d'une retraite à taux plein.